déménagement, ça déménage. Hein. Il y en a qui, pour changer de vie, changent de lunettes, de coiffure, de voiture. Eh ben moi, je déménage. Enfin, déjà, tout dépend du déménageur que l'on prend. Qu'on trouve la perle qui vous emballe toute votre maison, mais qui vous déleste aussi de vos euros. Mais on n'a rien sans rien. Donc là, on préparait le déménagement. Et le déménageur, mon gentil déménageur, me dit « Et madame, la cave ?» Je dis « La cave, cet endroit rempli de mystères, où on garde des choses du dernier déménagement, et où on se dit que on en aura toujours besoin, donc on garde. » Donc je descends avec mes enfants à la cave et on voit plein de cartons et on commence à trier. Mes gamins s'amusent de voir des photos de... Bon, à croire que la jeunesse est restée dans les cartons. Et puis on trie à jeter, à déménager. Et dans un vieux sac de sport, je découvre un paquet cadeau. Bon, assez étonnée, je dis bon, bah, je vais le garder et j'en parlerai à mon mari quand il rentrera de mission. Le déménagement se fait, on prend la crémaillère, on s'installe, voilà. Et quelques mois après, dans un tiroir, je retrouve le petit paquet cadeau. Tiens, j'ai oublié d'en parler à mon mari, je le vois pas trop souvent. Et l'idée me vient d'aller me surprendre à son nouveau bureau. Allô, Chantal ? Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous ? Oui. Ouais, j'y vais, oui. Bon, j'ai pris contact avec Daniel, c'est bon pour la commande. Dans 3 semaines à peu près. Voilà. Surprise ! Toi, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Mais ce rendez-vous, c'est moi. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parler à mon courant d'Hercheron. Ça pouvait pas attendre ce soir. Ah non, parce que là tu rentres tellement tard que les enfants vont plus savoir à quoi tu ressembles. Heureusement qu'il y a la webcam pour faire coucou papa. Oui, ben quand t'exagères. En tout cas, dis donc, je connaissais pas ton nouvel enfant. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Qu'est-ce que c'est beau! Ben, je bosse, moi. En tout cas, dis donc, et au 50e étage, hein, j'espère qu'il n'y a pas souvent des pannes d'ascenseur. Hein. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est? Ben, comme ça t'évitera plus de venir. Je savais bien que t'étais PDG, mais quand même. Et je te rappelle. Ah, oui. Écoute, pour une fois, je viens te voir. Je bosse, je te dis. Et dis donc, quand t'as des nouveaux trucs, à chaque fois, je me demande où tu vas les chercher. C'est quoi? C'est un suppositoire? Ah, c'est du design. Du design. Ah! Ça s'allume, ça. Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Parce que c'est Elena. Une nouvelle petite amie? Une box. Une box? C'est quoi une box? Eh bien une box, je vais te montrer à quoi elle sert une box. Elena, tu peux m'imprimer le bilan de la semaine dernière, toutes les pages s'il te plaît. Seul. Eh ben, dis donc. Elena, appelle l'ascenseur. Oh, c'est pas vrai. Mais alors, moi, je pourrais pas avoir une Elena à la maison. Elena, mais fais couler le café. Elena, mets la machine à laver. Elena, enfin, plein de trucs, quoi. Pourquoi j'ai pas de ça, moi, à la maison? Oh là là, en tout cas, bon, peut-être utile, mais en tout cas, ça ressemble à un suppositoire. Moi, je trouve ça assez joli. Oui.
Bon, en tout cas, écoute, moi je suis venue te déranger, te voir, parce que j'ai absolument besoin de savoir où sont rangés tous les albums photos. Tu me déranges en plein boulot pour des albums photos, c'est ça l'important? Eh ben oui, depuis le dernier déménagement, je ne trouve plus aucune photo. J'ai cherché partout. Bon, je sais que tu t'es pas occupé du déménagement comme d'habitude, mais j'ai pensé que peut-être... voilà. Alors figure-toi que moi, ça m'ennuie énormément parce que ta mère n'arrête pas de m'appeler en demandant... elle veut tous les albums photos depuis des années. Et pourquoi? Ben, c'est pour te faire une surprise pour ton anniversaire. Tu sais très bien que je m'en moque. Oui, et ben dis-le à ta mère. Voilà. Ah, alors maintenant, si tu pouvais me dire, j'ai cherché partout, partout, partout. Même au grenier, à la cave, rien. Donc tu sais même pas... Bah figure-toi que à la cave, bah tu vas rire, hein. J'ai trouvé dans un vieux sac, j'ai trouvé un paquet. Bon, alors ces photos. Mais je t'ai dit que c'était pour ton anniversaire. Mmh. Et maintenant, ça te dit rien dans un vieux sac, un paquet cadeau bah t'as l'Alzheimer précoce, hein. Bon, écoute, je te signale, qu'on est quand même mariés sous le régime de la communauté. J'ai le droit de savoir où tu ranges des affaires, hein? Voilà. Alors donc, j'ai trouvé. Ça te dit rien, ça? Non. Parce que moi, j'ai trouvé une petite... Oh! Il y a même un petit mot à mon lapin rose des vendredis soirs. Bon, moi, je me suis dit lapin, je sais pas. Vendredi soir, tu manges avec ta mère. Bon, en tout cas, bon, moi, j'ai pas pu m'empêcher. Hein. J'ai ouvert le paquet, je me suis dit que c'était peut-être pour mon anniversaire, dans 6 mois. Alors dis donc, moi j'ai trouvé... Oh, j'ai trouvé un bijou super génial. Franchement, en plus, dans les roses comme j'aime, t'as retenu que j'adorais le rose. Hein? C'est pas beau ça? Oh, des bracelets en fourrure! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Ah, moi, tu ne pouvais pas faire mieux. Moi, je trouve ça super design et super rigolo. Hein? Allez, mon chéri, tu sais, je me suis dit que comme j'avais 1 heure avec toi, on allait peut-être pouvoir s'amuser les deux. Oh là là! C'est pas rigolo, hein? Allez. Mais t'es devenue folle! Oh, mais ne crie pas comme ça! Oh, franchement, bon, je vais prévenir Chantal qu'il ne se passe rien parce qu'elle doit s'inquiéter, la pauvre. Elle t'entend hurler depuis tout à l'heure. Oh. Bon, Chantal, je voulais vous demander. Ah! Bon, alors, t'es d'accord? Bon, bah écoute, c'est bien comme ça, donc je te disais tout à l'heure, je t'envoie les factures, je te l'envoie dans Farena. Bon, bah écoute, voilà, on fera ça comme ça. Attends, bah écoute, je vais te rappeler. On n'est pas bien là, tous les deux. Mais tu as parlé. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on va s'amuser.
Pour une femme d'une histoire qui n'a pas les enfants, et j'ai renvoyé Chantal. Oh, ça va être merveilleux. Allez, arrête. Tu fais des trucs. Oh, oui. Oh. Et voilà. Détache-moi. Oh, on ne détache pas de bracelet en fourrure quand même. T'es complètement folle. Non, chérie. Oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi? C'est trop bien. Allez. Oh, je sais ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. On va faire des selfies. On va faire des photos pour maman. Alors, déjà, le bel environnement. Oh, magnifique. Oh, 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 oh. Toutou. Et puis, des photos pour son anniversaire. Et puis, oh, ce n'est pas drôle, vraiment. Et des selfies avec ta jolie femme. Ah, ton joli lapin rose. Oh, allez, allez. Oh là là. Donne-moi les clés. Des clés. Pour des bracelets. Eh ben, Elena, faites que monsieur rigole un petit peu de temps en temps. Donne-moi les clés. Bon, eh ben écoute, j'avais pas vu l'heure. Moi, il faut que je m'en aille. Je vais l'essayer à la maison. Il faut que j'aille chercher les enfants. Hein. Ben, je peux pas rester parce que le sport et tout et tout. Ma tablette. Donne-moi ma tablette. Oh, mais écoute, ne t'inquiète pas, mon chéri. Ta mère arrive dans 10 minutes. Ma mère? Pourquoi ma mère? Mais mon chéri, c'est pas tous les vendredis que tu l'emmènes dîner. Ta mère! Bisous, lapin rose! Bon week-end prolongé! Chantal!